Pouf vieux tube, pouf pouf Loïc. Pouf pouf. Les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode King of the Hill Arma 3 by Samatra. En gros, donc Loïc nous expliquait un petit peu comment ça se passe. En gros, c'est de l'attaque de ville. Donc là, c'est Kavala qu'on attaque. On spawn autour et le but, c'est de prendre d'assaut Kavala, mais il y a d'autres ronds aussi à prendre d'assaut. Différence avec Wasteland, c'est que dans Wasteland, l'objectif, il est sur toute la map, alors que là, c'est de l'attaque de ville, en fait. Voilà, King of the Hill. Donc, du coup, en fait, on a une base où, à la base, il y a des gars qui ont acheté des véhicules. On va mourir! Ok, trop bien. Donc, voilà. Donc, en gros, il y a une base. Dans cette base, il y a tous les bleus ou tous les verts ou tous les rouges. Et en gros, chacun s'équipe, achète des bagnoles. C'est un jeu d'équipe, là. Autant sur Wasteland, des fois, bon, l'équipe, on s'en bat un peu les bonbons. Mais là, c'est un jeu d'équipe. J'étais dans l'hélico d'un mec. Le gars était censé nous déposer ici. Et voilà. Donc, c'est plutôt cool. Du coup, on respawn. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'avais déjà fait du King of the Hill, en plus. Et c'est un mode qui est plutôt cool. C'est bien PVP. Il y a énormément d'action et c'est très cool. Donc, voilà. Donc, au démarre, à noter que suivant les serveurs, c'est un peu différent. Mais en gros, ça revient souvent même. Donc, ici, nous avons le mec qui nous propose de changer d'apparence. Donc, après, tout dépend de notre level. Donc, moi, je suis niveau 1 parce que j'ai tué personne. Ce genre de serveur, ce qui est cool, c'est que... les admins, c'est des monstres sur les trucs comme ça. Et le mode est énormissime. C'est-à-dire que, vous voyez, vous allez pouvoir jouer 10 heures, 100 heures sur ce serveur. Vous avez du leveling à faire. Vous allez débloquer des classes. Vous allez débloquer des armes. Voilà, il y a des mecs qui permettent de changer différents trucs. On peut devenir marksman, amso. Enfin, il y a énormément de trucs. Les serveurs sont vraiment énormissimes. Voilà, c'est un truc de cinglé. C'est vraiment des serveurs de cinglé. Il y a le truc pour les véhicules aussi. Ou genre, ici, on peut acheter des véhicules. Alors après, ça se débloque en fonction des levels et ainsi de suite. C'est vraiment un... Genre, limite, si BF vous saoule, bah, vous faites du King of the Hill. Il suffit juste d'acheter Arma 3 et puis voilà. C'est vraiment un jeu incroyable. Donc, vous voyez, lui, là où il a acheté un hélicoptère. Donc, on va aller avec lui. En espérant qu'il nous accepte dedans. T'es où? T'es en... Je suis en rouge. Je suis en bleu, là. Je cours vers un hélicoptère bleu. C'est toi qui es devant moi? Moi, je m'arrête, là. Ah non, c'est Hans. Arrête de courir pour voir. Attends. J'arrête de courir quand je suis dedans. Attends, je grimpe dedans aussi. Vas-y. Ok. Hello, my friend. Hello. Hi. Ah là, je suis dedans. Tu sais conduire un hélicoptère au moins? Tu sais, c'est la question que tu poses après ça, tu sais. Oh, c'est vachement classe, hein. Et il y a des serveurs Wasteland aussi qui sont comme ça et ils sont excellents. Au niveau des modes et des options, il y a vraiment un truc de cinglé. Moi, mon serveur Wasteland, c'est un Nitrado, il est ultra simple. Mais il y a des serveurs Wasteland qui existent où il y a une sauvegarde de votre inventaire, une sauvegarde de votre expérience. Et plus vous jouez, plus vous aurez accès à des trucs de cinglé. Il y a vraiment des serveurs de cinglé. Je crois qu'il veut pas qu'on y aille là, si. Il a pas l'air d'humeur, hein. Tu m'entends dans l'hélico là, Loïc? Oui. Vas-y, parle. Je parle dans l'hélico. Ok, nice. Ok, là, je go. Je t'ai invité dans mon groupe. Ah, attends, player menu. Groupe. Comme ça on pourra se retrouver plus facilement. Sera super, j'ai pas reçu d'invite. Clique sur mon nom, normalement peut-être que tu peux accepter. Ah oui, Loïc, accepte invite. C'est bon. Voilà. Oh ouais, c'est bien classe. Hein. Quand on est parti. Oh là là, il est fou lui. Il y a un mec dans l'hélico qui est aussi un abo. Les gars, ils jouent sans micro, Arma, je comprends pas pourquoi ils... Il te reconnaît? Il a écrit pouf. Ouais, j'ai vu. Texte du faux HD. Welcome. Bienvenue dans le clan, mec. Ça fait plaisir. Merci du sub. Bienvenue dans l'équipe. Merci à toi. Allez, du coup, on fait péter un petit pistolet. On fait péter un petit pistolet. Alors là, les gens, ça va changer de Daisy. Normalement, je suis un peu meilleur, en fait. Voilà, on va pas trop s'envoyer... des fleurs, hein. Mais normalement, je suis un peu meilleur. Voilà. Enfin, ça, c'est si nous... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quel malade. Le gars, il nous a fait un... Non. Non. Oh. Ça va mal finir.
Oh la vache. Il se pète, comme il se la pète le mec. Qu'est-ce qu'il nous dépose là? C'est un truc de cinglé. Welcome les gens, bienvenue à tous. C'est un truc de cinglé. Alors King of Zul, j'en fais pas beaucoup parce que voilà, en fait c'est un mode qui est cool, mais ouais, c'est vrai que généralement je fais plutôt du Wasteland. Mais là par hasard je me suis dit tiens, on va faire du King of Zul, ça va être bien cool. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait cet andouille? Je comprends pas. Non mais là il nous... Putain, on est encore tombé sur je sais pas qui. Alors faut savoir que c'est comme dans BF en fait. Si vous montez dans le véhicule d'un mec que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas sûr de la destination. Et là en gros on est monté dans le véhicule d'un mec. Attends, on aurait pu s'éjecter au-dessus de Kavala en fait, c'est ce qu'on aurait dû faire. Ouais, on aurait dû, mais j'ai eu peur de me prendre les pales en sautant. Non parce que là, mais non. Là on retourne au spawn en fait. En fait, on retourne au spawn, en fait. Donc, vous voyez, on est sur Altis, mais toute la partie là, on s'en bat les couilles, en fait. Il n'y a que la partie ici, vous voyez. Là, c'est notre base. Là, c'est une autre base ennemie. Là, c'est une autre base ennemie. Et en gros, c'est fight sur Kavala. Donc, c'est... Oh, pff, ça fait chier. Voilà, on perd un peu notre temps, j'avoue. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Qu'est-ce que tu fous? Putain. Allez, je me jette. Voilà, on va mourir. Ah, voilà. La mort, les gens. C'est mieux parce que cet andouille là. C'était horrible, les gens. C'était horrible. Donc, on va respawn. Je suis toujours 0 XP niveau 1. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est magnifique. Le nom du serveur, je l'avais déjà montré. King of the Hill. C'est l'un des plus gros. C'est que je l'avais vu. C'est l'un des plus gros. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Tu sais quoi, je vais acheter une voiture. Ah oui, trop bien, il y a un camion là. Est-ce que je peux le conduire? Dans le camion avec l'icône là. Est-ce que je peux le conduire? Oui, je peux le conduire. Ok, go. Je suis en passager. Je suis à côté de toi là. Ok, il me faut un marqueur. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ok. Allez, go. Voilà, donc là c'est Bibi qui conduit. Oh putain, j'ai un vieux bug de caméra. Regarde, à mon avis, le gars qui me tire dessus, c'est le gars qui a acheté le camion. Parce que ce n'est pas mon camion, les gens. Oh. Allez, go. On en espérant qu'on se fasse pas kicker, parce que généralement, sur les serveurs-là, il y a des slots VIP. Je crois que ces camions-là, ils spawnent tout seuls. Il y a certains véhicules, ils spawnent régulièrement tout seuls. Ah bah tant mieux, alors. Voilà. Bah, ils viennent de faire exploser l'hélico, les mecs. Vous voyez le truc dégueulasse de la caméra, là? Bah ça, c'est Arma, les gens. Ça, c'est Arma, c'est normal. De temps en temps, Arma, il fait ça. Et tu sais pas pourquoi, le jeu, il bug complètement. Voilà, hop. En avant. Allez, plus qu'un kilomètre. Je vais essayer de nous rapprocher au maximum. Et après, on laissera parler la poudre. Le mec va rager. Ah bah, tant pis pour lui, hein. Tant pis pour lui. On y va. Putain, t'as vu déjà les explosions qu'il y a en face, là? Ah, j'entends de la musique. Je crois que ça va bientôt finir la partie. Ah, t'entends de la musique? Oula. Ah mais en fait, attends, les véhicules ils sont indestructibles, non? Non, 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 pas du tout. Mais allez, regarde les rouges, ils sont à 99 en bas. Ah oui. Enfin, 99. Putain, j'ai un de ces bugs de caméra de temps en temps. C'est vachement dégueulasse. Tu vas arrêter? Oh, oh, un Black Foot. Oui, parce qu'en fait, la guerre commence bien avant qu'on arrive à Kavala, hein, bien évidemment. Voilà, là, j'ai sacrifié un peu tout le monde. Allez, on respawn. Voilà. C'est la tristesse, les gens. C'est la tristesse. Ouais, bug de caméra. Ah ouais, en effet, il y a de la musique. Ah, ça veut dire que c'est la fin. Alors, je me demande ce qui se passe quand c'est la fin. Défaite. Ah, ça recommence. Ok, nice. Bon, donc là, ce qui est cool, c'est vu que ça recommence, dans la logique des choses... on devrait tous être à peu près au même niveau, donc on va peut-être pouvoir réussir à faire du combat urbain dans Kavala. T'as vu la ville de Kavala avec les maisons défoncées et tout? Ah, il y avait des gars qui campaient là dans la station 4. Il y avait des verts, putain, il y a des mecs partout. Il y a le commissariat là-haut. C'est pas un moment que j'ai pas joué à Altis. Rip, ouais les gens, rip. Rip, rip, rip. On n'a pas fait grand-chose en plus, hein. J'avoue, en présentation de mode, j'ai fait mieux. Mais bon, c'est pas de chance. Bon, moi, je reste en... En bleu, je ne bouge pas. La même.
On est rouge, hein, pour info. Hein. En fait, hein. T'es allé rouge là? Bah non, mais en fait, on était pas bleu, on était rouge depuis le début, non? On était bleu? On était bleu? Ah, j'avais cru voir qu'on était rouge, en fait. Ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre. Moi je Foufou, spawn Feijan, bienvenue pas à du ce tout dans mon carré. camp là. T'as spawn où? Dans un petit camp au bord de la mer. Alors je crois pas que je suis bleu là. Sur la plage abandonnée, moi aussi. Ok, Tu je crames dans suis là. l'hélico? S'il m'attend, il est où? Ok, je vais. Wait! Wait me! Non, 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 non! C'est bon, je suis dedans. Attends, mais monte dedans! On peut pas, il est full! Non, non, il y a de la place à l'arrière. Ah, c'est bon! Hello! Putain, y'a personne. Les gens, ils jouent sans micro. Salut. Ah, Coucou. ça Coucou. fait plaisir. Pouf pouf. Ah, il y a des connaisseurs, il y a des connaisseurs. C'est les Anglais qui doivent être contents. Ouch. Non, attends, on se fait déjà Non. tirer dessus. Oh, ma Mais tête. c'est. On se fait Oh, tirer ma dessus tête. depuis C'est chez des nous. drones. C'est un drone qui nous a pété. Non. RIP. On va se Non, cacher. non, 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 mais c'est pas possible. Alors là, le mode, ça commence bien la présentation. Bon, Ça alors en commence gros, ne bien. jamais monter dans un hélicoptère parce que les gars, il n'y en a aucun qui sait conduire avec eux. Voilà. Voilà. Le On score est s'achète en une bagnole, bas. on y va tranquille. Ouais. Le score, il est en bas à droite, hein, les gens. Dans le ratant, je sors un véhicule. Vas-y, vas-y. Moi, je vais voir si je peux pas devenir sniper à la limite. Ah non! En fait, il faut que je. Attends, j'ai de l'argent, ouais, j'ai 2000 dollars. Dans ce cas-là, je vais l'acheter. Je vais acheter un viseur d'ACOG. Oh, mec, c'est tellement classe ce qu'ils ont fait! Je vais acheter un petit flingue. Oh, c'est cool ce qu'ils ont fait, je sais pas si t'as vu. Et moi, je monte pas dedans, ils vont mourir. Hein. On est où là? Je suis dans le 4x4 là, je suis dans le 4x4 devant. C'est dans le 4x4. Et où ça? Ah oui. À côté de la C'est base. le tien? Ouais. Ok, j'arrive. Ok, vas-y, fonce. T'es dedans? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, j'ai le bug de caméra aussi. Ouais, c'est dégueulasse, hein. Oh, il s'est collé. Mec, il est mort ou il est... Tant pis, en avant. S'en fout. Il Il avait nous a qu'à foncé dessus, le mec. pas se. À mon avis, il faisait une arnaque à l'assurance, tu vois. Ça existe aussi. Non, c'est le EU2, les gens. C'est le EU2. Et c'est du King of the Hill, exactement. Ça fait déjà 40 minutes qu'on joue? Oh non, c'est pas possible. J'ai pas relancé le chrono au bon moment, je pense. Bon, allez, on va voir ce que ça donne, les gens du King of the Hill. Bon, déjà, ça commence plutôt mal. En gros, on n'a rien fait, on est tombé sur. C'est ça qui est un peu chiant dans King of the Hill, je me souviens. C'est qu'en fait, on dépend beaucoup des autres. Et genre, Ouais. si les autres, c'est des branleurs, bon, en gros, toi, tu fais rien, en fait. Tu profites pas trop. Oula, je lag. Alors que dans Wasteland, si tu te mets en indépendant, bah, tu vis ta vie et puis c'est tout, en fait. C'est ça qui est cool. Ouais, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ouais, alors que là, si l'autre, il sait pas conduire son. Putain, il y a du public restriction. Si l'autre il sait pas conduire son hélicoptère, bah voilà, c'est la fin. Et les rouges mènent déjà 3 points. Mais moi je suis rouge, hein, non? On est... C'est possible qu'on est rouge? Non, on Parce est que. bleu, on est bleu. Ouais, mais on se voit bleu, mais peut-être que tout le monde voit bleu, les gens de son équipe, non? Non, non, je crois qu'on est vraiment bleu. On est bleu, et dans ce cas-là, c'est les rouges qui mènent, c'est pour ça qu'ils sont allumés en bas. Oh là, ça tire dans tous les sens là. Ouais, c'est un sacré bordel en plus. C'est un sacré bordel. Le King of the Hill, alors pour ceux qui connaissent pas les règles, en gros c'est Arma 3 mode gratos. Il y a trois équipes, les ronds là, là et là. Vous voyez, voici on est en bleu. Et en gros le but c'est de se fight dans la même ville en fait. C'est genre une sorte de Wasteland, sauf qu'il n'y a qu'un endroit où on se tape dessus en fait. En gros tout le monde fonce sur le même objectif en fait. C'est un peu l'idée. Ok, c'est bon, moi je descends là.
C'est parti. En avant. Attends, on se met dans le groupe, comme ça on se trouve vite. Groupe. Vas-y. Monsieur Rasuper, invite. Loïc. Invite, accepte. Nice. Okay. Comme ça on peut se repérer un peu. On est parti. Bon, moi j'y vais direct, hein, j'ai activé mon Wallach. Parce que bon, nous on veut du sang en fait. Ok, nous on veut du sang. Je suis allé là-haut. Et ce téléphone, il vibre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais le rendre. Je vais supprimer mon abonnement. Et puis voilà. Moi je pousse, hein. Oh ouais, je suis derrière toi. Oh, c'était beau l'hélico là qui pose les mecs. C'était bien joué ça. Je sais pas si t'as vu. Ça tire un peu partout là. Je sais pas d'où ça tire encore. Le but c'est les maisons. Là les gens c'est le débarquement là. Débarquement en Normandie. Depuis les tourelles, les celles à la grande tour de guet là tout droit. La 4. Ils sont là-haut. Celle qui est en face là. Celle qui est en face de moi là. Non, pas la plus proche, la deuxième. Ça non, tire de derrière nous je pense. Aïe, je suis pris des balles. Je prends cher. Non, j'ai l'impression que... Monte là-dedans, ça... monte là. Ah, tu peux monter là. Ok, les tirs se rapprochent, je suis blessé. En ma terre. Putain. Je suis blessé. À mon avis, on se fait tirer dessus de derrière. On se fout dans une baraque. Oh putain, les gens, j'y étais. J'y étais, à noter que j'ai gagné 100 points d'XP. Moi je suis dedans. Oh putain, j'ai été tué à 30 mètres de distance par... Attends, je peux te réanimer. Vas-y. Je peux te réanimer. Vas-y. Je me soigne, j'ai plus de vie et j'arrive. Ok. Putain, c'est un de ces bordels. C'est risqué. Ouais. RZ2. Je sais pas qui est-ce que je dois. Ça c'est Liliazo et ça c'est toi. Ouais, vas-y. Combien de temps t'as un timer? Je suis à moitié merde, je suis mort. Ok, tant pis. Ah, allez, stand-up, c'est la violence. C'est chaud les gens. C'est chaud, bien évidemment les gens, il y a une rediff, Tex. Le test, vous recevez tout par message privé sur Twitch les gens. Vous recevez tout par message privé sur Twitch. Quand vous en recevez, généralement j'envoie un message tous les soirs pour Twitch. Non, je monte pas dans l'hélicoptère. Quoique c'était bien chiant de tout faire en bagnole, mais bon. En hélico. J'achète un quad. Bon, c'est mon quad qui a spawn tout là-haut. Je crois bien. Allez, en avant. En avant, en avant, en avant. Ah nice, ok, les véhicules qu'on achète, ils sont bloqués en... T'es dessus là? Ouais. C'est parti. En avant. En avant, en avant, en avant. Ouais, c'est cool, les véhicules qu'on achète, on peut les lock. J'ai 1800$, t'as combien d'XP là? J'ai 4000$, mais je suis niveau 3, donc 1250 d'XP. T'avais déjà joué sur ce serveur? Non, mais je pense que plusieurs serveurs sont liés. Ah oui, peut-être que tous les Sumatras sont liés entre eux, ouais. C'est possible. Ouais, parce que moi, j'ai jamais joué sur ce genre de... Enfin, sur ce truc, c'est sûr et certain. Pouf, les gens, bienvenue. Bienvenue. Ouais, hop, en avant. En plus, ça va, ça m'a l'air plutôt fluide. Ce qui est chiant, c'est qu'on a plus des serveurs de 60 FPS, quoi. Après, c'est Arma qui est derrière. C'est un peu chiant qu'on... A chaque fois, on tourne en dessous de 20. Ou alors, là, je suis à 24. Là, je suis à 23. Vous voyez, c'est pas incroyable. Hein. Ah, la maison qui est détruite. Mais je trouve que c'est... Tu vois, dans autant Wasteland, l'action démarre tout de suite. Sur ce mode, je trouve que ça met un peu de temps à démarrer à chaque fois. Tu sais, si tu meurs bêtement, bah tu passes ton temps à faire l'aller-retour, en fait. Et à mon avis, c'est ça qui doit un peu décourager les gens. C'est vrai que c'est un peu chiant à chaque fois. C'est un peu chiant. Parce que là, on se fait chier, là, c'est pas possible. J'ai pas tiré un seul coup de feu, hein. La vidéo, enfin, je sais pas il y a combien de temps de vidéo, à mon avis, un bon 25 voire 30 minutes. J'ai pas tiré un seul coup de feu encore. Hein. Enfin si, sur l'hélicoptère qui arrêtait pas de nous tuer, là, qui faisait de la merde. Allez hop, en avant. 5 km, c'est vachement long. C'est vachement long. Allez,
Oh, regarde, parachutiste en face. Ouais, l'hélico il a largué là. Et comme par hasard, nous on avait pas de parachute quand l'hélico il nous a largué. C'est bizarre. C'est bizarre. Non. Ouf. Oh. Du bol. T'as vu ce qu'on a fait ou pas là? Ouais, ouais, petite. Petit soleil. Ouais, la route est bien longue. Et surtout que si on meurt là, on a tout à refaire. Hein. Y a pas de respawn ou t'es mort. Hein. C'est long. Ouais. Oh mais non! J'ai cassé le quad sur cette feuille là. Tu vois le buisson qui est devant le quad? Ouais, on peut peut-être le réparer. Vas-y, bon moi je me soigne. Tu vas déjà faire ça. Bon, on va tuer Loïc, ouais, on va être obligé les gens. On va être obligé. On va devoir passer par là. Hein. Tu peux essayer. Oh là, ça tire. Ça tire. Bon, on y va à pied, on est à côté de où on était avant. T'as réparé le quad? On peut pas, j'ai pas de repair kit. On a peut-être un... Ouais, non. Allez, en avant les gens. À l'assaut! À l'assaut! Il y a un hélicoptère à gauche. Les mecs sont sur la tourelle, à mon avis, ça nous tirait dessus aussi depuis la droite, je pense. Ouais, bah depuis la tour, je pense, qui est là-haut, là. La première. Le gars, il a géré quand même, il s'est bien posé, là. On se prend des balles, là. Tu t'es tiré dessus, là? Ouais, toi, tu te fais tirer dessus. Non, non, non. On pousse, je vais aller vers... On se fait tirer dessus, là. Ouais, oui, oui. Essayer d'aller dans une maison. Ouais, ouais, ouais. Ok, là, ça tire sur ouais, moi. Ouais, on se prend des balles, là, c'est sûr. C'est où la position des mecs? Je sais pas. Rentre dans la maison, on va voir. Ouais. J'essaye de slalomer. Ok, y'a pas trop... Oh, je vais me mettre dans la maison en face où il y a un balcon, là. On va être bien. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de se rapprocher, tu vois, le plus possible. Hop. Là, je suis derrière. Moi, je suis dedans, là. Je suis sur le balcon. Ok, ok. Là, je suis bien. Ah, il y a un mec. Je vais le mettre derrière mon pote. Je peux plus courir. Ok. J'ai un de mes potes qui a un gros lance-roquette sur lui, là. Ah, il est blessé, en plus. Est-ce que je peux le soigner? Ouais. Je le soigne. Je soigne mon pote. Peut-être gagner de l'XP. Nice! J'ai gagné 50$ et 50 points d'XP. Vous voyez, c'est ça qui est cool sur les gros serveurs comme ça. Il y a énormément de petits trucs à gagner. Quand j'ai l'impression qu'il a été... Ok, ça tire pas loin. Contact! Où c'est qu'ils sont? Regarde, ils sont là, ils sont là. Où là? Juste en face sur la droite. En face sur la droite? Ok, véhicule ennemi. Tourelle, tourelle, tourelle. Il a une tourelle. J'ai vu. Je suis dessus. Il s'est barré. Ouais, il s'est barré. S'il est... On se fait tirer dessus. Grosse explosion juste derrière nous. Okay. C'est un nouveau véhicule qui s'est crashé. Ouais, il y a le véhicule tourelle qui est passé là. Je pensais lui avoir mis un peu de balles, mais je sais pas s'il va repasser. Vas-y, j'essaye d'avancer. J'avance, hein. On a deux alliés qui viennent de mourir dans cette maison, ouais. Oui, y'a un mec derrière. Y'a un mec derrière? Deux alliés qui viennent de mourir là-dedans.
Alors? Je me suis mis à couvert. Je me suis pris des balles. Ok, donc ça vient de sortir. Attends, je vais ranimer un tour. Vas-y! Essaye de me couvrir. Samuel! Welcome! Merci du sub, jeune loup! Ça fait plaisir! On s'en occupe après. Ok, il y a un de nos gars qui vient de se faire défoncer. Ouais, je suis en train de réanimer un là. Plus on est, mieux c'est. Attention à la porte là, je pense que tu vas à la porte, tu te fais allumer direct. Il y a un gars, notre chef là, il s'est fait tuer juste en face. C'est bon, t'as heal là? Ouais, j'en ai soigné un. Ok, Gilles Inerto. Les gars, c'est chaud! Merci pour le sub, jeune loup! Bienvenue! Allez, je crois en toi, moi de toute façon, je suis bloqué. Oh, je suis mort. T'es mort? On a un petit panda qui pleure. À mon avis, les gens, on est mort aussi. On est en train de le soigner. Allez, boum, c'est bon, j'ai aidé mon pote. Ok, alors, je ne sais pas. Ok, on se fait tirer dessus, là. Ok, j'ai vu maison en face. Ok, j'ai vu ces maisons en face, ces maisons en face. Je monte. Oh putain, je sais pas, a été tué par... J'ai vu où il était, le mec il était en face. Merde. Ouais, ils défendent bien leur truc hein. Ouais ouais ouais, il y en avait un dans la maison en face. Oh c'était beau et j'ai gagné de l'XP les gens, ça fait plaisir quand même hein. Attention, attention. Attention, attention. Rip, ouais, rip les gens, ouais ouais, rip, rip, rip. Allez. Putain, moi je rentre dans l'hélico qui est là. Vas-y, je respawn dans 3 secondes. Ce qui est chiant, c'est que là on repart du camp du début. Hein. Toi, quand tu. Ah bah, tire la rigole là. Après, on a tout à refaire. Enfin, ça va être long. J'arrive! Ouais, t'imagines si ça se passe mal? Il reste de la place, hein, normalement. Tu... Et où? Ah oui! Oui! Oh, dernière watch! Oh non, mec, t'as vu le monde qu'il y a là-dedans! Ah là, on est full. Hey, non, il reste une place. Ça va être le débarquement là. Débarquement de Normandie. J'ouvre la rampe. Débarquement de Normandie. Ouverture de la rampe, ouverture de la rampe. Oui, il y a d'autres Français dans la bagnole. Go, 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 go! Eh oui, il y a d'autres Français, pouf pouf. Eh oui. Ah, c'est trop classe, la rampe! Moi, j'ouvre la rampe, les gens. Pourquoi arrête pas? J'ouvre la rampe. Oh, y'a pas des Québécois, parce que moi, je suis Québécois. Les gens! Let's go, les gars, on est capables. On est prêts. Attends, on a un parachute ou pas, quand on saute, là? Oui, oui, il a un parachute. Quand tu sautes d'assez haut, si le gars il nous largue d'assez haut, tu peux mettre un parachute. On est assez haut là ou pas à ton avis? Non, 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 là il va prendre l'altitude. Et là c'est bon? Attends. Allez go, je m'éjecte! Y'a pas de parachute! Putain, je suis déjà mort! Non, le parachute il s'allume tout seul, il s'active tout seul. Non mais mec, lance-roquette Titan à 300 mètres. Moi je suis mort hein. Ouais, moi je crois que je vais mourir aussi, je suis atterri dans un endroit de merde. En fait, qu'on soit nul ou bon dans ce mode de jeu, ce qui est bien, c'est que tu peux rien faire en fait. Là, tu te prends un titan, c'était impossible de l'éviter. Impossible. Loïc, je crois que t'es le seul survivant. Hein. Peut-être un ou deux autres, mais ils doivent pas être en bon état. T'en étais 500 milliards dedans, quoi, c'est incroyable. Tu peux heal ou pas? Je sais pas d'où. Attends, je regarde la map si je te vois, mais je crois... Vas-y, je rentre là-bas, c'est pas grave. Ah ouais, genre, c'est un truc de cinglé, hein. Non, non, je te vois pas, là. Non, t'inquiète, j'ai restart. C'est vraiment un truc de cinglé. Si les gars, ils jouent mal ou s'ils déposent, bah, mais tu te retapes tout, c'est pète couille en fait. Je comprends mieux pourquoi je joue rarement à ce mode de jeu, les gens. Ouais, c'est vraiment pour les gros malades, ça. Ouais, c'est pour ceux qui ont du temps à perdre, surtout, mec. J'ai pas fait une seule action, hein. On peut rien faire, parce qu'à chaque fois, on se prend un titan dans la gueule. Puis j'ai pas envie de conduire. Moi je vais me mettre à l'arrière. Oh merde, c'est pas. En fait, quand on s'est fait tuer par un titan. Un avion de chasse. Moi c'est un titan qui m'a tué, je me suis pris une roquette dans la gueule. J'ai mis quelques balles à un mec, j'ai pas pu le tuer. Est-ce qu'on peut monter? Oui! Je suis sur l'hélico, les gens!
Parce que vous êtes prêts, on va bientôt mourir. Allez, on tire quand même quelques balles, histoire qu'on... Voilà. Pour la passion, les gens. Pour la passion. On est sur du King of the Hill, les gens. En avant. Et je voyais ça un peu plus fun, en fait. Parce que c'est vrai que c'est... C'est chiant de sans arrêt se retaper la route pour remourir sans même pouvoir jouer, pour se retaper la route pour remourir. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. C'est bien, on peut sauvegarder notre truc automatiquement. Ah maintenant, regarde, ça fait 26 minutes que... Non mais... Qu'est-ce que je vous disais? Non mais regardez, hein, y a pas de ouais t'es mauvaise foi, tu rages, hein. Les gars, tu peux rien faire là. Regardez, on peut rien faire les gens. C'est vraiment un truc de cinglé. Hein. C'est un truc de cinglé. Bon, on va retenter. Les gens, nous pour cette partie on va cesser là-dessus. On va retourner, je vais retourner une deuxième partie. Et si ça continue comme ça, on ira sur du Wasteland parce que. Enfin, on peut rien faire, c'est incroyable. Rien ne passe. Tu montes dans ton hélico. Tu es drapeau là. Tu meurs direct. Bah attends, j'ai pas respawn encore. Allez, les gens, à tout de suite pour la suite. King of the Hill. À tout de suite. Tchou.